Good morgen, allez, Iden, les tu seras aujourd'hui le Lunishmat, David Ben Fortuna, Mazal Fritna, Dvora, Bat Esther et Allegria, Bat Sol, Ben Susan, les bêtes Vanish. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternel. Nous étions aujourd'hui Maseret Nedarim, Perek, Gimel, Mishnah Vav, Anoder, Miyode Hayam, Mutar, Beyocheve, Hayabasha. Miyocheve, Hayabasha, Asur, Beyode Hayam, Sheyode Hayam, Bichlal, Yocheve, Hayabasha. Loka elu sholchin me akol yafo, ela bemi shedarko le faresh. Petite introduction d'abord sur notre Mishnah. On va avoir une série de Mishnah jusqu'à à peu près à la fin du chapitre quasiment. Où il va y avoir un sujet un peu pas tellement actuel à notre époque, dans la mesure où, la problématique d'abord, lorsque je fais un éder, je suis en colère contre une situation, j'ai des regrets sur ce qui s'est passé, et je prononce un éder. Je vais dire une phrase, je vais m'interdire des choses, mais de manière générale, sans vraiment réfléchir à la question. Par exemple, j'ai été fâché contre... je suis parti dans la Keïla des Tripolitains, et là-bas, ils m'ont fait un sale coup. J'ai dit, oh, les Tripolitains, ils sont tous comme ça. Bon, d'accord, j'ai pas le droit de le dire, mais c'est du Lachanara, mais c'est pas grave. J'ai dit, oh, je fais le néder que je ne peux plus profiter des Tripolitains. Waouh! C'est qui un Tripolitain? Celui qui a son grand-père Tripolitain, c'est un Tripolitain? Celui qui a une mère ashkénaze et un truc, qu'est-ce que tu fais? Vous comprenez la problématique? Quand tu prononces un éder, que tu ne sais pas exactement qui tu vises, tu vises une généralité, et après tu te poses la question, ben, qu'est-ce que j'ai inclus dans cette phrase? Donc du coup, il va falloir maintenant, de manière générale, alors, on va s'intéresser à ce qu'on appelle Bilshon Bnei Adam, ce que les gens appellent comme ça. Benedarim Olchim Alcha Arlashon Bnei Adam, c'est une grande règle, c'est rapporté ici dans le Tosot Yom Tov, dans la Mishnah Zayin, au nom du Rambam, ça c'est dans la Gemara elle-même. Benedarim Olchim Alcha Arlashon Bnei Adam, lorsqu'on prononce un éder, on inclut dans ce que tu as interdit ce que les gens appellent comme ça. Ça veut dire que si moi on m'appelle un Marocain, parce que finalement, qu'est-ce que j'ai de Marocain? J'ai mon père Marocain hein, qui est venu à 10 ans, 11 ans en France. Ouais, mais ça s'appelle qu'on appartient aujourd'hui à la communauté des Marocains. Et finalement, qu'est-ce qu'il va faire un Algérien qui vit tout le temps chez les Marocains, qui chante Marocain? C'est le Khazan des Marocains, tiens. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ben, voilà, vous comprenez la problématique. D'ailleurs, je ne sais même pas trancher la halakha. Mais ce qu'on va parler dans notre Mishnah, et dans toutes les prochaines Mishnayot, c'est justement de définir quels sont les groupes qui sont inclus dans ce que tu parles. Donc du coup, ça va être un sujet qui n'est pas du tout actuel, parce que la Mishnah, comme le dit le Rambam, la Mishnah, elle s'est exprimée selon son époque, là où les gens parlaient comme ils parlaient à leur époque. Donc si aujourd'hui, on n'appelle plus, on ne qualifie plus ces groupes avec les mêmes termes, la Mishnah, elle est obsolète complètement, mais ce qui nous intéresse malgré tout, c'est le principe. Donc ce qu'on va faire en fait, c'est que pour notre Mishnah d'abord, on va l'étudier aujourd'hui bien sûr, mais après pour la prochaine Mishnah Yot, Zayin Chet, Tet Yud, on va les faire deux par deux, on va pas traîner chaque jour avec une Mishnah qui dure une minute, sans aucune viande à manger. Donc du coup on fait aujourd'hui la première Mishnah déjà, Mishnah Vav, après pour la Zayin Chet, on les fera deux par deux, Zayin Chet, Tet Yud, et puis après Yud Aleph, elle sera longue de toute façon, donc on la fera toute seule. Mishnah Vav, donc elle nous dit, un odeur miyordé ayam. Je fais le néder que... Attention, j'ai un autre problème. C'est que je ne peux même pas traduire littéralement le terme avec un autre terme. Parce que dans la consonance, en hébreu, la même expression, elle va avoir une certaine signification, et dans l'autre, elle va avoir une autre signification. Par exemple, Yordé Ayam, c'est ceux qui descendent en mer. Yordé Ayam, Baroniyot, Oseman Rab, Bemaim Rabim, on le dit dans le misement de Rosh Chodesh, on exprime... Et on exprime Yordé Ayam, les marins. Mais quand on parle d'un marin aujourd'hui, quelqu'un qui voyage fréquemment en bateau, il ne s'appelle pas un marin. Ouais, c'est un passager. Enfin, je pense pas que dans le... Donc du coup, on va traduire ça comme ça. Ceux qui font le néder de Yordé Ayam, ceux qui voguent, les vogueurs. Alors, ceux qui partent en mer, ceux qui descendent en mer. Qu'est-ce qu'on inclut dans ça? On va se retrouver dans un cas particulier. C'est ceux qui voyagent occasionnellement, ou encore, imaginez à l'époque, vous habitez à Tveria, et vous avez besoin de partir en face de l'autre côté à Kibbutz Ramot,
en face, juste en face de Dzeria, là-bas, là, vous prenez le bateau tous les jours. Ça s'appelle, vous êtes un vogueur, vous êtes un marin, vous êtes quoi? Vous avez une petite barque et vous traversez ça en 10 minutes. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on inclut dans ce terme? Eh bien, alors la Mishnah me dit, Moutar be Yoshua Yasha. D'abord, celui qui va dire Yordé Ayam, celui qui va interdire les Yordé Ayam, ceux qui descendent en mer, eh bien, il va être permis be Yoshvé Ayabasha. Il va être interdit à ceux qui sont. Ceux qui descendent pas en mer. Pour le moment, on continue à avancer. Par contre, s'il fait le contraire, mi Yoshvé Ayabasha, je vous fais le neder de ceux qui sont sur la terre, les. Comment dire, ouais, ceux qui vivent sur sur la terre, eh bien, Asur Beyordé Ayam, il sera interdit interdit de consommer de ceux qui descendent en mer. Soit, en fait, pour quelle raison? Chez Yordé Ayam, Bichlal, parce que ceux qui descendent en mer sont quand même, sont aussi des gens qui habitent la terre. Alors on explique un petit peu le principe. La Mishnah est simplement dire que lorsque tu t'interdis ceux qui descendent en mer, alors tu impliques que ceux qui vont en mer, mais pas ceux qui sont sur la terre, sur sur le littoral. Mais que ceux qui vivent sur le continent, mais si tu t'interdis ceux qui vivent sur la terre, alors tu t'interdis aussi ceux qui vont en mer, parce que ceux qui vont en mer, ils finissent toujours par rentrer chez eux et vivre aussi sur la terre. Ils sont inclus dans le coup. D'accord? Ouais? Du coup, la Mishnah, elle me conclut maintenant, malgré tout. Alors, il y a une phrase importante. Lo ka elu sholchin me akol yafo. Attention, lorsque je te dis ceux qui partent en mer, c'est pas ceux qui vont de Akko à Yafo. Akko, le nord d'Israël, Yafo, le sud. On peut prendre un bateau et longer toute la côte ouest d'Israël, et arriver de Akko à Yafo. Celui qui fait ça, c'est pas un marin, c'est pas quelqu'un qui. C'est pas, il rentre pas dans le club des. Ceux qui descendent en mer, pour quelle raison? C'est pas, ils descendent pas dans la mer profonde, ils vont pas en mer profonde, ils longent le littoral. C'est pas encore, ça s'appelle pas quelqu'un qui descend en mer. Et la bémiche d'Arco les Farèches, je m'en parle plutôt de celui qui a l'habitude de partir loin, de s'éloigner du littoral, de partir à un endroit. Hein, si je me trompe pas, une petite seconde, ouais, c'est pas précisé ici. Je crois que j'avais vu, je sais plus si c'est dans la Guémara, ou si c'est dans un Mépharèche. Explique de partir à un endroit en mer où tu vois plus rien autour de toi, tu vois que la mer. Là, ça s'appelle que tu es vraiment parti en haute mer, d'accord? Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov, Sela.